Eh bien écoutez, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Sabrina 820 Gaming. Très heureuse de vous retrouver pour continuer Light Tracer. Donc, comme je l'avais annoncé, pour les boss, je me suicide. Mais quoi ici? Pour les boss, la musique est à tue-tête, je passe en écran plat. Parce que les boss en VR, c'est le gameplay, ça va pas du tout quoi. Le gameplay pour les boss, c'est compliqué avec les moves, les caméras, c'est... N'en parlons pas. Donc je tente de refaire le boss, mais cette fois-ci, donc je suis sur écran plat, je ne suis plus en réalité virtuelle et je suis avec la DualShock. Et non avec les moves. C'est parti! Allez. On va voir comment... Ah bah attendez! Bon, de toute façon... Oui, bah oui, c'est sûr que c'est mal barré. Alors attendez déjà pour... D'accord, c'est carré pour donner les coups. Alors... Donc là, est-ce que je peux donner... J'ai donné deux coups. Là, il tire. Je vais faire attention à ses coups. Là, on essaye de retourner vers lui. Je lui ai donné aucun coup. Là, je sais pas combien de coups il lui faut. Je sais pas si c'est pas la bonne méthode aussi que je fais. Eh ben, je l'ai eu. Ah, vous voyez. C'est incroyable hein. Les boss, impossible de les faire Ah bah je suis contente. Bah de toute façon c'est ce que je ferai pour ce jeu hein. Les boss sont injouables hein. Ils sont injouables en... Je vais aller là. Bah, c'est la fin. Ils sont injouables et on peut pas... Les boss, moi j'arrive pas à les faire en réalité virtuelle quoi. Je repasse sur écran plat. C'est pas grave, je vais faire les niveaux sur... Je ferai les niveaux en réalité virtuelle et les boss sur écran plat. D'ailleurs, je l'ai même battu du premier coup. Why are you so surprised? You're wondering how I was able to cure him? I am no ordinary princess. Our country's best doctor was my teacher. Non, non, les boss en réalité virtuelle. My people's illnesses. But now, there is nothing I can do. If the gods really live above, do you think that they can cure my people? Ah, vous avez vu du premier coup, hein, parce que effectivement, sur écran plat, il n'y a pas de problème de caméra. Le gameplay, bah, comme un jeu normal. Hein. Alors qu'en réalité virtuelle, bah, il y a des problèmes de caméra et le gameplay n'est pas intuitif du tout au move. Hein. Je radote, je répète, mais... Ils auraient dû en fait nous laisser pouvoir jouer au jeu avec la manette et en réalité virtuelle. Je pense que si on nous avait laissé le choix de choisir la manette ou les moves en réalité virtuelle, bah ça aurait été bien. Oh, un niveau de neige! Bah écoutez, on va se le garder pour la prochaine fois. Chapitre 4. Bah je vais pas le commencer parce que je vais le réserver pour la prochaine fois bah, en réalité virtuelle. Hein, et puis quand j'arriverai au boss, je passerai sur écran plat. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter là. Do you want to return to start menu? Oh yes! Ouais, c'est dommage qu'on puisse pas jouer à la manette avec le casque VR. C'est vraiment dommage. Ils nous imposent les moves et... Au move, c'est compliqué les boss. Moi, j'y arrive pas. Voilà, bah écoutez, donc la prochaine fois, tiens, si je fais continue. Voilà, on fera le chapitre 4-1. Voilà. Et bah écoutez, c'était Light Tracer, le boss du chapitre 3. Donc, sur écran plat. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis bah, à très vite. Salut tout le monde!